Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur AO Tennis 2 sur PC. Donc le jeu sort aujourd'hui quand je fais la vidéo, le 9. Il est disponible sur console depuis plusieurs jours maintenant, dans les Micromania normalement, dans tous. Il me semble qu'il est disponible, ils le vendent depuis 2-3 jours je crois. Moi j'ai attendu puisque je l'ai sur PC là, et que je l'ai eu à 24 euros. Donc ce qui pour moi est un tarif qui me va très bien, je voulais pas mettre plus dedans. Donc aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur le gameplay. Alors par contre vous attendez pas à un super niveau, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Donc et je n'ai absolument rien ajouté, hein. Là c'est le contenu de base, j'ai pas touché les sliders, j'ai rien fait. Je n'ai rien touché, j'ai laissé tout comme c'était à l'origine. J'ai pas téléchargé de joueur, j'ai pas téléchargé de stade, j'ai rien fait. C'est trop duc de Kyrgios, il est bien fait. Hein. Alors c'est toujours Big Ant qui est derrière, sauf que maintenant on a Big Ben qui édite. C'est con d'avoir mis les noms sur le côté comme ça. Il aurait fallu les mettre en dessous dans le bon sens, ça aurait été bien, je trouve. Pour lire, c'est plus facile. Bon, en tout cas, il y a quelques nanas, c'est pas mal. Après, de toute façon, les autres, on va les télécharger. Hein. Stosur. Ouais, ok. On va prendre Nadal. Et ouais, on va jouer... On va jouer contre mon fils. Hein. Hop. Cours aléatoire. Alors, la Nadal Academy, non, on va... Paris. On va mettre cours principal. On va mettre l'après-midi. 3-7 par match. On va faire ça. De toute façon, je vais certainement me prendre la difficulté. On va peut-être pas mettre la toute petite non plus. On va se mettre en semi-pro. Comme ça, je vais prendre une petite branlée. Mais bon, ça va permettre de voir un minimum l'IA quand même. Parce que si c'est pour mettre au niveau le plus pourri et que l'IA rattrape même pas une, renvoie même pas une balle qu'on lui met dessus, c'est pas très très intéressant. Donc après moi je suis pas du tout un expert, le 1 j'y ai joué mais il y a très longtemps sur PS4, donc c'est pour ça que je vous préviens que le niveau va pas être fantastique. Mais aujourd'hui on va s'intéresser simplement au gameplay, parce que pour ceux qui connaissent AO Tennis, il y a un mode création, en fait on peut tout créer dans le jeu, on peut créer des stades, on peut créer des joueurs, on peut télécharger des joueurs, on peut créer des compétitions, on peut vraiment tout créer. Du coup le mode il est tellement complet que on va s'y attaquer dans une autre vidéo à un autre moment. Et on regardera aussi le mode carrière peut-être dans une autre vidéo aussi, parce qu'en fait chaque fois il y a tellement de choses à montrer que on peut pas tout montrer dans les vidéos. Putain, attendez, le chat qui fait chier. Voilà, elle veut sortir mais comme il pleut elle ne sort pas. On va servir, allez. Vous voyez, il y a des animations, des choses comme ça. Aussi, pendant le jeu, il y a des nouvelles animations. Alors, ils ne les ont pas toutes modifiées. Il y en a encore qui sont un petit peu pourries. Mais, voilà, je me rappelle plus du tout comment ça marche, le timing et tout. Ça va être une cata, hein. Avec le stick, c'est plus facile. Mais bon, il y a des nouvelles animations. Après, ouais, y en a certaines qui sont toujours pas terribles, terribles. Mais bon. Après, ils ont travaillé un petit peu quand même là-dessus. J'ai l'impression d'y arriver quand même un petit peu mieux que dans le précédent. Je sais pas s'ils ont touché un petit peu au timing. Alors pour l'instant, je me lance pas dans des services de fou. En fait, le service, je le fais avec le stick droit. Là, je mets les sticks en arrière. Et là, je le remets en avant. Le stick droit. Je trouve que c'est plus facile. Parce qu'avec les touches... Le service, j'y arrive pas du tout. Ah, je vais la mettre longue. Ah non.
Après, graphiquement, je vous laisserai juger. Là, vous voyez, avec les boutons, je n'y arrive pas à le service. Donc, on va le. Je vous laisserai juger graphiquement. C'est la version PC. On est en ultra. Alors, l'anti-aliasing, il y en a deux. Il y a le FAA et le. Non, le TAA. Et le FXAA, j'ai mis le FXAA. Alors, le TAA cache peut-être un petit peu plus l'aliasing, mais il floute un petit peu plus. Donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Bon, pour l'instant, j'ai testé comme ça. Je testerai avec le TAA. Plus tard, oh là là. Mais voilà, c'est à voir après ce que vous préférez. Alors, je monte pas trop au filet déjà, j'ai un joueur qui est pas trop trop. Pas trop trop connu pour ça. Et puis moi personnellement, c'est pas mon jeu non plus. Bon, vous m'en voulez pas si vous entendez une voiture passer, j'ai dû ouvrir la fenêtre puisque ce trou duc de chat gratte. Oh, je vais la mettre dehors. Elle gratte mais elle veut pas sortir parce qu'en fait il pleut un petit peu. Donc finalement elle veut pas sortir. Mais si je ferme la fenêtre, elle va vouloir sortir. Vous voyez, on a des petits trucs en bas où on joue des monts, il y a des petits dessins, ça c'est pour la l'attitude quand vous gagnez le point, l'attitude que vous avez. Ah! Après, vous pouvez demander aussi, quand vous n'êtes pas sûr qu'elle soit faute, à l'arbitre de vérifier la trace. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pas touché au slider de vitesse. Vous le savez, pour ceux qui connaissent le premier au tennis, il y a des sliders pour régler la vitesse sur chacune des surfaces pour essayer de se rapprocher un petit peu plus. On sait que sur les surfaces, ça va pas à la même vitesse selon la surface. Oh là 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 là. Donc, tout ça, c'est paramétrable. Chose que j'ai pas touché là, j'ai tout laissé. Là, je vous lance le jeu tel qu'il est quand on le lance pour la première fois en fait. Normalement, on peut aussi créer des tenues. On peut aussi créer des sponsors dans les stades et tout. Enfin, on peut même carrément créer des stades. Bon, là, j'ai pas bougé, par contre, je me suis fait avoir. Et en plus, comme je vous parle en même temps, bon, mon cerveau, vous savez. Oh merde! Allez. Silence, s'il vous plaît, ça c'est pas mal. Ouais, on va la jouer à la Nadal, hein. On va essayer de le faire courir. On voit aussi
La jauge d'endurance. Allez. Oh merde. Oh, elle va partir en couille celle-là. Là, je suis resté planté sur mes appuis un petit peu, vous voyez. Je suis parti trop tard. Bon, en fait, en vrai, voir Nadal jouer aussi mal, c'est pas possible. J'ai mis un timing pourri, mais elle est passée. Je vais refermer la fenêtre. J'ai perdu l'oreillette. Oula, le public derrière l'autre, il a. Oh là, ils ont pris des coups de soleil. Ah, par contre. J'avais pas vu ça, faut pas regarder le public. J'espère que c'est un bug ou je sais pas. Parce que par contre, ouais, c'est très très moche, hein, le public derrière. On va pas faire le match entier en fait, hein, parce que là, quand je vois le temps que ça va mettre. Après, depuis quelques temps, ça parle aussi d'un portage de Tennis Elbow sur PS4. Alors, après moi, je veux bien Tennis Elbow sur PS4, mais. Après le jeu, faut peut-être pas qu'il sorte tel quel. Hein. Peut-être le moderniser un petit peu parce que. Oh là 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 là. Comment on peut mettre ça dehors? Parce que bon, Tennis Elbow, c'est quand même. Pas très très beau non plus. Après, vous allez me dire, c'est surtout le gameplay qui compte, mais c'est vrai que l'habillage. Moi, si le jeu il est. Ultra moche, qu'il n'y a pas de contenu, qu'il n'y a pas de carrière, qu'il n'y a pas. Ça m'intéresse pas non plus, quoi. Après, il y a Tennis World Tour. Bon, là, je l'avais fait en plus à l'époque, je vous avais fait une vidéo. Quelle déception ce jeu. Bon, je m'attendais pas à un grand jeu non plus. Mais là, quand même. Rien que la création de joueurs, en fait, vous aviez trois visages en gros, 3-4 visages qui se battent en duel à choisir. Trois coupes de cheveux. Si je la mets dehors, c'est ce que j'allais dire, si je la mets dehors là, franchement. La barre d'endurance, elle a bien baissé. Hein. Bon, ce chat m'emmerde. Parce que dès que j'ouvre la fenêtre, elle ne sort pas. Donc tu dégages. Je sais pas si vous l'entendez gratter. J'ai changé des réglages sur le micro. Du coup, il va peut-être être moins sensible à ce genre de bruit, mais ça m'énerve. Parce qu'en plus, elle bouge pas de la journée. Ah, c'est bon.
C'est toujours quand je fais une vidéo que l'hôtesse lève et qu'elle décide de. Bon, pour le public, j'espère sincèrement que il va y avoir un truc parce qu'on est d'accord que c'est pas important. Mais là, là, c'est quand même très moche. Bon, ça se fait bien. J'avais pas l'impression de, j'allais dire de jouer aussi bien. Je joue pas très bien, hein, là, clairement. Mais voilà, par exemple, on va dire pour une découverte, ça se passe pas trop mal quand même. J'avais pas l'impression de, on va dire d'y arriver comme ça dans le premier. J'ai des souvenirs d'avoir pris des patates contre des. Contre des Kidam là qui jouent les 50, 60, 80 places là, ou même dans la carrière contre des mecs qui n'existent pas. Non, avec les boutons, j'y arrive vraiment pas de service. Au stick. Ah, vous voyez, là, par exemple, je suis resté planté. C'est de ma faute, hein, mais c'était pas terrible. Non, faut vraiment que j'améliore mes timings. Je me concentre un peu plus. Après, les timings, ça va demander un petit peu de concentration, en fait, c'est surtout ça. Chose que j'ai pas quand je tourne une vidéo, de la concentration. Enfin, que j'ai pas complètement, quoi. C'est ça des fois que les gens comprennent pas. Ah, c'est quand on surveille le. On surveille le PC à côté, parce que moi j'enregistre ma voix sur un PC à côté. On surveille le PC et là je me dis j'espère que la capture, j'ai le petit point qui me dit que c'est en route, mais. Je l'ai eu une fois ça sur la Allo Masterchef Collection. Je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer à quoi ressemblait Allo Reach sur PC. Et il m'a bien capturé le truc, sauf qu'après j'avais que le son sur la capture, l'image était noire. Donc là je me dis, ça se trouve, je fais ça pour rien. Le son, bah, je surveille le PC à côté, voir si ça va. Je discute en même temps. Donc la concentration est pas optimale, hein, quand on. Ah! Quand on enregistre une vidéo. Vous voyez, j'ai eu du mal à finir ma phrase là, par exemple. Après, vous pouvez modifier la sensibilité aussi de la direction. Enfin, de la direction. Quand vous donnez une direction à vos coups de ma cible là-bas, par exemple, sur le cours, là, vous pouvez modifier la sensibilité un peu comme un FPS pour modifier la sensibilité du stick droit ou de la souris pour viser, quoi. Bon là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. C'était cadeau, mon gars. Oh.
envoyé des bananes, mon pote. Enfin, des bananes. Enfin, attention à ce que je vais dire. On va me dire que je suis raciste parce qu'il est noir. Je pensais évidemment pas du tout à ça. Je me suis fait avoir. Là aussi, je me suis fait prendre à contre-pied. Pas grave, comme ça va conclure la vidéo. Bon. Ah là, je me suis fait prendre à contre-pied. Pas concentré en fait, c'est surtout ça. Vous voyez, si je ferme ma gueule 2 minutes, ça se passe déjà un petit peu mieux. J'aurais dû le tuer. Vous voyez, quand je la ferme un petit peu, que je me concentre, ça va tout de suite mieux. Après, je joue pas avec l'IA de ouf non plus, hein. Parce que ça, je pense que si je mets l'IA à un niveau supérieur. Va me les chercher quand même. Après, je verrai par rapport à mon niveau quand je suis réellement concentré. Et puis j'augmenterai s'il faut augmenter. Je fais pas baisser, ça c'est sûr, parce qu'il me faut quand même un petit peu de challenge. Puis je verrai avec un joueur créé aussi, parce que quand vous créez votre joueur et que vous commencez la carrière, vos stats, elles sont loin d'être des stats de Nadal. Hein. Elles sont vraiment toutes pourries. Hein. Donc les coups que j'envoie là, il y en a la moitié avec mon joueur, vont partir dehors. Donc après. Bon bah je me suis fait avoir. Ace 195 km/h, ouais bon. Ah bah elle est dehors celle-là. Ah non.
Merde. Hein. Bon, je vais essayer de me concentrer un petit peu pour voir. Putain, dehors. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, ma manette qui se déconnecte, putain. Du coup, voilà. Je me disais, c'est bizarre. Ça bouge plus, il se passe plus rien. Allez, bon, elle aussi elle m'énerve à gratter là. Putain, j'ouvre, à chaque fois que j'ouvre la fenêtre, vous devez l'entendre, elle ne sort pas. Elle me saoule. Fait, j'ai vraiment l'impression que quand je veux tourner une vidéo, tout est fait pour me rendre la tâche plus difficile. Mais ça l'est déjà suffisamment. Il y a un truc par contre dans Tennis World Tour que je trouvais intéressant. C'était la touche de sprint. Je trouvais ça vachement intéressant. Comme idée de gameplay après. Va devant. Allez. Allez. Putain, out, out, out. On va pas s'en sortir hein, de ce match. Bon après, pour ceux qui ont le premier, au niveau du gameplay, c'est quand même assez proche. Hein. Il n'y a pas de grosse nouveautés, de gros changements. Après, ça va se passer au niveau de la carrière, puisque ils ont annoncé une nouvelle carrière, un truc beaucoup plus immersif où il y a plus de choses à gérer et tout. Donc, je pense qu'on ira voir ça dans une autre vidéo. Ça va faire au moins 3 vidéos sur le jeu. Et après, peut-être que j'en ferai une de temps en temps. Des petits matchs comme ça, quand il y aura des trous. Et qu'il n'y aura pas trop de vidéos. Il y en a qui font du FIFA, bah moi je vous ferai du tennis. Hein, voilà. Ça changera un peu. J'ai toujours des timings bien pourris. On va y arriver à se départager. Ça m'étonnerait, hein. J'ai bien l'impression qu'on n'y arrivera pas. Oh là là, bah si je fais des trucs comme ça, on va y arriver. Parce que là, la vidéo va devoir s'arrêter. Ça fait 30 minutes, mais j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Putain, enculé!
Il est toujours là. Et moi, je la mets dehors comme un blaireau. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin. Je vous remercie. Je vous dis à dans quelques jours, parce que je pense que les vidéos, les deux ou trois vidéos que je vais faire, elles vont s'enchaîner. Je vais certainement en tourner une par jour. Je pense que je vais vous en mettre une. Ça va faire jeudi, vendredi, samedi, ou vendredi, samedi, dimanche, certainement, je ne sais pas encore. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.